Cette cérémonie me donne l'occasion de rappeler et de réaffirmer la volonté de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de lutter sans relâche contre la corruption et ses effets néfastes sur le développement socio-économique de notre pays. Cette volonté s'est traduite par le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour adresser sous tous les angles la problématique de la corruption et des infractions assimilées. C'est donc un grand plaisir pour moi de recevoir au nom du chef de l'État le rapport d'évaluation annuel 2020-2021 des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption qui a été préparé par vos services et par votre institution. J'ai noté votre entière adhésion à la vision du président de la République d'intensifier la lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour faire de la Côte d'Ivoire un pays libre de toute forme de corruption.